Madame Bitou, bonjour. Bonjour. Dites donc, Laura fait la tête, mais elle veut rien me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, c'est rien. C'est ses camarades, ils l'ont un peu critiqué sur son anniversaire de la semaine dernière. Son anniversaire? Attendez, mais c'était génial, son anniversaire, c'est moi qui ai tout organisé. Non, mais il faut pas faire attention à ce que disent les enfants. Hein? Attendez, j'avais fait un cake aux deux farines, châtaigne, épeautre. Et puis un flan au tofu avec coulis de rhubarbe. Et puis pour éviter qu'il se gave de cochonnerie chimique, j'avais même retrouvé une vieille recette de pâte de fruits au naturel. Oh, super! Ça a l'air très bio. Très! Et alors pour les boissons, pareil, soda maison au citron amer pour tout le monde. Et alors pour l'animation, j'avais demandé à un de mes amis qui fait de la danse contemporaine de venir faire un spectacle de mime. Ah, c'était mais génial! Puis surtout, c'était calme! Oui, j'imagine, oui. Bon bah allez-y, videz votre sac, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah alors ils ont dit que c'était tout pourri et qu'ils préféraient encore aller à l'école plutôt que de revenir chez Laura. Oh les petits bâtards. Oui, non, mais dans le fond elle a de la chance. Pourquoi? Bah parce que l'anniversaire c'est une fois par an, donc elle a un an pour s'en remettre jusqu'au prochain et là paf, c'est re la honte.